Un kilomètre de haut, 1001 mètres précisément. Avec ses 200 étages, la Kingdom Tower sera la plus haute tour du monde. 2012, si j'ai gagné, c'est pas parce que j'avais un programme étincelant. C'est sans doute parce que mon prédécesseur avait échoué. On a un journaliste qui cherche, qui repose les mêmes questions s'il considère qu'on n'a pas répondu. C'est un peu la marque de fabrique, on va dire, de Jean-Jacques Bourdin. Mais là, dans cet exercice, le président a été très bon. Il ne me faut aucune indulgence, vous avez bien noté. L'impopularité est là. Le président de la République fait une grande intervention et la seule annonce, c'est le report des élections régionales et cantonales. On se demande vraiment sur quelle planète il est. Mais d'abord, c'est quand même un acte courageux parce que aller face à Jean-Jacques Bourdin et ensuite affronter les questions des auditeurs, c'est pas anodin. Notre-Dame de Fourvière, une vue magnifique jusqu'au Mont-Blanc. Notre-Dame de Paris, pigeon et file d'attente, selon CNN. La France, elle n'a pas que des défauts. Elle a des lourdeurs, elle a des charges, elle a des problèmes, comme dit l'autre, mais elle a aussi des atouts. Madame Dufour, un petit mot sur votre retour à l'Assemblée. Vous avez bonne mine aujourd'hui, vous êtes heureuse de retrouver finalement vos policiers ici à l'Assemblée ? J'arrive ici dans un lieu que je connais bien, retrouvant des députés que je connais bien, et donc je reviens heureux ici. Je veux à mon tour, peut-être de manière un peu plus appuyée et prononcée, saluer le retour de Jean-Marc Ayrault parmi nous, parmi vous.